Voilà, c'est la deuxième partie, donc voici Evil Gemios avec ses autocollants. Voilà, donc on voit la glace et le feu représentés. Voilà. J'ai mis les autocollants, même sur le lanceur, donc attendez. Voilà, donc je vais tester la toupie. Je vais voir ça bien. Alors, comme j'avais fait avec Carmel Paisset, je vais tester contre des toupies de différents types. Donc déjà une toupie de type équilibre. Et avant, on va quand même l'avoir tournée toute seule. Et Vulgimus. Comment c'est Vulgimus toute seule pour qu'on la voie tourner? Et voilà, et Vulgimus qui tourne. Vous montrer le plus bas. Voilà. Donc maintenant on va la voir contre Dark Cachet. Je trouve que Evil Gemios est trop belle quand même comme toupie. Je sais pas si elle est forte, mais au moins elle est belle. Evil Gemios s'en sort contre Dark Cachet. Maintenant une toupie de type défense équilibre poison serpent. Gemios a porté un sacré coup à la fin. Donc pour l'instant, Gemios gagne ses batailles. Maintenant, une toupie typiquement endurance. Sagittario. Est-ce qu'elle peut battre Sagittario, Gemios?
Voilà, et bien j'ai mis ça du Sagittario. Donc pour l'instant, c'est une assez bonne toupie quand même. Maintenant, une toupie défense-attaque. Voilà, une toupie défense, mais qui a une attaque lourde. Elle n'a pas battu Rock Leon, mais attendez, pour voir si c'est pas un coup de bol. Égalité, donc Evil Gemios peut peut-être battre Rock Leon, normalement on peut la battre, je pense. Maintenant une toupie attaque et endurance, Vampire Bless. On n'a pas battu mon frère Blaise, mais encore une fois je retente au cas où pour voir s'il y a quand même des chances de le battre mon frère Blaise. Bon, ok, donc Evil Gemios a du mal à battre Bonfire Blitz. Maintenant, Evil Gemios contre Flame Libra.
Donc Evil Genius peut battre son Libra. Maintenant, on va essayer contre Thermal Pisces. C'est marrant parce que dans le dessin animé, je m'en rappelle que quand il parle des Vilgemios, quand elle n'est pas trop attaquée, elle est en mode endurance et que quand elle attaque, elle attaque super fort, ben c'est vrai. Quand elle perd un petit peu l'équilibre, eh ben elle attaque super fort son adversaire. Je sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure contre je sais plus quelle toupie, je crois Poison Serpent. À la fin, elle a attaqué violemment à la fin. Ça a battu vraiment de peu Thermal Pisces. Donc il y a encore deux combats que je vais essayer maintenant contre Earth Virgo et après contre Earth Eagle. Je crois que j'ai lancé Earth Virgo. Je pense que c'est fort. On touche à la fin du combat, les deux toupies commencent à s'épuiser. Et voilà, Evil Genius a battu Earth Virgo. Donc Earth Virgo, pour dire que c'était une de mes meilleures toupies, commence à se faire battre par un peu toutes mes toupies en fait. Ouais, alors, prochain combat, bah, le dernier. Earth Eagle contre Evil Genius. Evil Genius n'a pas battu Earth Eagle, mais on réessaye au cas où.
Tigale est bien affaibli, mais Abyssimius n'arrive quand même pas à battre Tigale, donc c'est pas ma meilleure toupie quand même. Mais c'est déjà une très très bonne toupie. Par exemple, elle arrive à battre Flame Libra. Voilà. Donc c'est très bizarre sa pointe de performance. En fait, c'est un peu comme celle de Dark Gasher. Enfin, je crois que c'est la même. Oui, en fait, c'est la même pointe que Dark Gasher, je crois. Attendez, je regarde une seconde. Ouais, je crois que c'est la même pointe, à moins que celle du Jimmy soit à peine plus haute. Ouais, je crois que c'est la même pointe, mais celle du Jimmy c'est à peine plus haute que celle des Arcachons, mais vraiment à peine. Enfin, je crois. Je crois si c'est bien ça. Voilà. Donc, c'était ma nouvelle toupie Beyblade. Je vous dis salut et au prochain numéro. Attendez, je vais la retourner quand je vous quitte. Donc voilà, donc je vous dis salut et au prochain numéro.